Monseigneur Beotric. Il est mortellement blessé. Mon frère, te voilà roi. Règne bien, comme notre père l'aurait voulu. Aigric. Mon frère. Nous avons tous une histoire à raconter sur nos vies. La mienne commence le jour de ma mort. La nature nous offre parfois un spectacle inhabituel. Le soleil rougit alors que la lune croise son chemin. On appelle cela l'éclipse totale. Un moment pendant lequel on peut ouvrir un chemin entre le ciel, la terre et l'enfer, que les vikings appellent le Valhalla, Midgard et Helheim. Les rois vikings utilisaient les saintes reliques comme clés pour ouvrir les portes de ces mondes et régner sur l'homme. Avec le temps, l'histoire s'estompa pour faire place au mythe. Les hommes abandonnèrent les dieux vikings pour s'en remettre au nouveau dieu chrétien et à son fils. Ils soulevèrent la colère d'un dieu, le dieu du tonnerre, qui ne leur pardonna jamais. Il décida de prendre forme humaine et de retrouver les clés pour imposer les dieux vikings au monde pour l'éternité. Genitum non factum consubstantialem patri. Per quem... Les Scandinaves! Les Scandinaves! Le Viking Scandinave! Ils sont venus le chercher. Fermez les portes! Personne ne doit entrer dans l'abbaye avant moi. Oui, monseigneur. Notre bouclier. Et
Dis-moi où est l'abbaye. Par ici, monseigneur. Vous êtes dans la maison de Dieu. Je suis un dieu. Blasphème. Silence. Je suis Thor, fils d'Odin, frère de Baldur. Je viens reprendre ce qui n'appartient ni à vous ni à votre dieu, ni même à son fils. Rendez-moi le collier. C'est une sainte relique. En effet. C'est le collier de Marie-Madeleine. Vous n'êtes pas un dieu. Votre sang est aussi rouge que celui des hommes. Imbécile. Même les dieux doivent prendre une apparence de chair dans ce royaume céleste. Votre propre Jésus n'a-t-il pas été transpercé et brisé ? Monseigneur, nous sommes prêts à partir. Bien. Je devrais vous donner ce qui vous revient vraiment de droit. Je vais vous rapprocher de votre dieu. Pardonne-moi, mon vieil ami. Que faites-vous là ?
Seigneur Frey. Inutile de vous incliner, mon ami. Relevez-vous. Mais vous empestez l'ours à des kilomètres. Mieux vaut sentir son sang que le mien. Aeric Bloodletter, grand baron de Jomsberg, et désormais chasseur. Je n'ai jamais aimé ce nom. Beaucoup tueraient pour avoir un tel nom. Santé. Santé. Aeric. 10 années passées dans ces bois. Comment n'avez-vous pas perdu l'esprit ? Je l'aurais perdu si j'étais resté, monseigneur. Vous êtes parvenu à trouver un peu de paix ? Ici, parmi les ours et les loups ? En effet. Alors mon cœur est bien lourd. Allégez-le et dites-moi ce que vous êtes venu me dire. J'apporte des nouvelles d'une guerre prochaine. Thor est revenu à Midgard. Il a rassemblé autour de lui les rois mortels du Nord. Tout le Trondelag. Notre monde est dans la tourmente. J'y étais, Aeric. À cette fameuse bataille, j'ai vu ce qu'il adviendrait de ce monde si les géants Jotun étaient à nouveau libres. Je ne veux jamais revoir de telles choses. Thor est ici, pour ouvrir les portes du Valhalla, Midgard et Helheim. Vous devez l'en empêcher. Comment ? Je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas rivaliser avec un dieu. Non, vous n'êtes pas qu'un homme. Vous êtes bien plus. Les hommes ordinaires ne peuvent être ramenés à la vie. Ma sœur vous a donné le cadeau de la vie, parce qu'elle vous aimait. Pendant des années, vous avez illuminé son monde de votre amour. L'amour ultime. Celui qui unit un homme à une déesse. Elle vous a ramené à la vie, car elle ne pouvait imaginer un monde sans vous. Elle n'a jamais rien demandé en retour. Aeric. Vivre, mon tendre amour. Tu dois vivre. Vous êtes un mort-vivant. Et seul un mort-vivant peut traverser Helheim et retourner à Midgard. Pas même un dieu, pas même moi. Personne ne peut y aller et revenir. À part vous, Aeric. Vous trouverez à Helheim un corps couvert d'or. Qui, quand il résonnera un jour au visage de Thor, détruira son enveloppe humaine et le renverra dans le monde des esprits auquel il appartient. Vous pouvez décider de refuser. Vous pouvez rester ici. Mais le chemin sera ouvert lors de la prochaine éclipse totale. Récupérez le corps. Prenez la route des alignements de pierre du fort de Trondheim. Vous soufflerez dans le corps. Et Thor sera vaincu une fois pour toutes. Vous venez me demander l'impossible. J'aurais choisi un homme plus faible, si la tâche s'était avérée plus aisée. Allez d'abord à Osberg. Là, vous trouverez un sorcier qui se nomme Alcuin. Il vous conduira aux portes de l'enfer. Que le vent vous accompagne, Viking. Que le ciel soit avec moi.
Ne restez pas plantés là à me regarder. Venez plutôt me donner un coup de main. J'aurais dû savoir que c'était toi. Ça sent la merde d'ours à des lieues à la ronde. C'est ce qu'on m'a dit. Je dois l'avouer, ça fait plaisir de te voir. Que ces ours aillent au diable. Tu seras toujours mon roi, même si tu vis en ermite. Plus maintenant. J'ai besoin de ton bateau. Je me doutais que tu avais quelque chose à me demander. En fait, pour être honnête avec toi, je ne l'ai plus. Il appartient à quelqu'un d'autre. Mais on peut peut-être trouver une solution. Il faudra le récupérer à Osberg. Osberg. C'est là que je me rends, et ensuite à Trondheim. La route est longue. Mieux vaut partir tout de suite. Non, Sven. Ce voyage est le mien. C'est dangereux. Tu as une femme, une famille, des enfants. Oui, je suis viking avant et par-dessus tout. Laisse-moi un moment pour préparer mes affaires et faire mes adieux. Et je pars avec toi. Tu sais que ça fait 10 ans. 10 ans? Tu aurais au moins pu prendre le temps de te raser. Bonjour, l'ami. Tu peux nous conduire à Osberg? À Osberg? Tout le monde va dans le nord, pas à l'est. Les rois du Tronc de Lac sèment l'argent, comme s'ils en avaient une pleine mine. Du bois, du fer, des guerriers. Ils achètent tout ce qui peut servir pour la guerre. Pourquoi vous voulez aller à Osberg? Je vois pas bien en quoi ça te regarde. Bon. Vous allez me payer? Oui, on peut te payer en fourrure. Si vous étiez 2 jeunes vierges, j'aurais pris vos fourrures. Allez, venez me donner un coup de main. Au secours! Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un là-dedans. Faites pas attention, ce n'est qu'un esclave. Qu'est-ce que c'est? J'avais jamais vu un homme jaune. Mais qui êtes-vous? C'est peut-être un lapon ou un nain. Il est trop laid pour être un elfe. C'est pas vrai! Approche, Sharon! Je vais te tuer! Ça suffit! Libère-le. Quoi? Tu as très bien entendu. Bienvenue à Osberg. Tu croyais pouvoir te moquer de Hustus et survivre? Tu vas poser tes armes à terre. Et je te laisserai peut-être la vie pour regretter ces mots. Les petits malins ne vivent jamais longtemps. Tuez ces hommes. Oh!
m'avez libéré et j'ai payé mes dettes. On est quitte. On aurait bien besoin du petit homme. Veux-tu te joindre à nous ? Manger. Je viens voir le roi Karl Barberousse. Que voulez-vous ? Dites-lui qu'Eirik Bloodletter de Jansberg souhaite s'entretenir avec lui. Alcuin le sorcier. Quel homme étrange. Je n'ai jamais compris ce qui lui trottait vraiment dans la tête. Mais comme vous le voyez, il n'est plus parmi nous. Malheureusement, vous arrivez quelques lunes trop tard. Enfin, je pense sincèrement qu'il ne manque à personne ici. Que s'est-il passé ? Un groupe de guerriers. Et pas n'importe lesquels, les Geats sont venus marchander. Ils n'étaient pas nombreux. C'est la dernière fois qu'on a vu Alcuin. Les Geats, ils ont dû l'emmener dans le Gotland. Oui, le Gotland. Ils ont dû le conduire à leur chef, Eflar. À ce qu'on dit, il n'est pas très adepte des visites, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, si vous êtes sincère et que vous voulez réellement retrouver le druide Alcuin, alors il va vous falloir plusieurs bateaux. On a déjà un bateau. Alors il vous faudra des hommes, car la route sera longue avant d'arriver au but. Oui, ici. Ici. Merci, ma chère. C'est un plaisir, comme toujours. Bien. Quoi qu'il en soit, laissez-moi voir ce que je pourrais faire pour vous aider ce soir, messieurs. En attendant, buvons. Pendant que j'y pense, qui est votre ami ? On l'a trouvé. Je pense que c'est un elfe. Mais il se bat comme une valkyrie. Un elfe ? Bien. Un bâtard, en quelque sorte. Yang Fusan. Yang, c'est ton nom ? Eirik. Sven. Moi, c'est Karl. Eirik. Sven. On peut le dire comme ça. Yang. Drôle de petit nom pour un drôle de petit homme. Sven. Un nom laid pour un homme laid. À la vôtre. Mes amis. Mes amis. Chers parents. Baron. Seigneur. Vous êtes tous des gens bien. Et le reste d'entre vous des bâtards. Ce soir, nous avons des invités. Nous recevons des célébrités dont le renom n'est plus à faire. Bienvenue, Eirik Bloodletter, connu autrefois comme le roi de Jomsberg. Le même Eirik qui pulvérisa la grande armée danoise de Jutland. Qui combattit en nombre en Zélande. Et combattant dos à dos avec son grand comparse de toujours, Sven Stavanger, il leva son épée de l'aube à la nuit. Eirik Bloodletter, un homme adoré de la grande déesse Freya. Et quand il a été fauché dans cette terrible bataille, il a été élevé, élevé, élevé par sa divine intervention. Approchez, mon frère. Venez. Laissez-nous voir votre visage. Ce visage que, jusqu'à ce soir, nous avons tous connu grâce à la légende. Sire. Je suis ici aujourd'hui parce qu'un dieu m'a demandé d'écrire une chanson dont les paroles résonneront pour les années à venir. Une bien triste chanson, sans doute, car pour l'écrire, nous partirons pour Helheim. Nous sommes des Vikings et ne craignons rien des pièges que l'enfer mettra sur notre route.
Donc, à tous ceux qui veulent devenir vikings, venez. Suivez-moi. Ce n'était pas un discours des plus inspirés. Ça fait un moment. À qui le dis-tu ? On va devoir ramer tout seul comme deux idiots jusqu'au Gotland. On va avec eux. Ouais, d'accord, je te suis. Je m'appelle Olaf, fils de Barbe Rouge. Bienvenue. Je suis Grégor, l'autre fils de Barbe Rouge. Bienvenue. Quelqu'un d'autre ? Allons-y. Yomar, humble chasseur, mon arc est à vous. Merci. Je m'appelle Henrik. Y aura-t-il des combats ? Il y en aura. Je suis des vôtres. Une chance de trouver de l'or ? Pas vraiment. Alors, je ne pourrai pas faire grand-chose pour vous. Auriez-vous tout de même besoin d'un vieillard ? Bien sûr. Bernard, un tueur de femmes et d'enfants. Une dernière fois. Y a-t-il des volontaires ? Brina la Juste. Fille d'Hildegard, liseuse du vent. Ce n'est pas une quête pour une femme. Merci, mes frères. Un toast. Portons un toast. À l'honneur. À la gloire. À une mort courageuse jusqu'au panthéon des héros. Santé ! Santé ! Je vous en prie. Prenez un de mes navires. Pas ce baquet. Est-ce qu'il flotte ? Peu importe. Cet homme vous a promis une mort certaine. Ce navire sombrera aussi bien qu'un autre. Olaf a raison. On devrait prendre le drakkar de son père. Non. Avec celui-ci, nous passerons inaperçus. Et nous repartirons de la même façon. Sven, je t'ai dit qu'on n'emmenait pas cette femme. J'ai peur qu'elle ne doive venir. Pourquoi ? Tu te souviens de cette conversation à propos du bateau ? Je te présente son nouveau propriétaire. Et le capitaine de votre équipage, sur mon navire, monsieur. Vous suivrez les ordres comme tous les autres ici présents. Si cela vous déplaît, j'espère que vous aimez nager. Seigneur, nous n'avons eu que des succès. Nous sommes parvenus à rejoindre le sud et l'Espagne. Nous avons traversé l'île d'Anglesey. Et suivant les fleuves, nous sommes descendus jusqu'au village de Paris. Pourtant, on ne sait toujours rien du corps de Helheim. Quiconque possède ce corps possède aussi le pouvoir de m'arrêter. Monseigneur, je ne vois pas comment. Nos guerriers et nos navires se tiennent prêts. La chrétienté est à nos pieds. Avec vous, un dieu fait homme, rien ne pourra jamais nous arrêter. Même un dieu peut être arrêté.
sais que vous n'avez pas eu d'autre choix que de m'emmener. Mais je tiens à vous dire que ce vent n'est pas prêt de tomber de sitôt. Que peut bien savoir une femme des vents et des vagues? Autant qu'un homme qui a perdu sa mère à la naissance et qui a vogué sur des drakkars avec son père sa vie durant. J'ai navigué sur toutes les mers des îles d'Angle et du Greenland et serpenté à travers les montagnes de glace. Je me suis perdue en mer. Près de Great Island, je suis presque morte de soif et j'ai été encalminée dans la mer fumeuse. Notre voyage jusqu'à LA me sera peut-être plus facile que cela. Le temps vous donnera tort. D'ici la tombée de la nuit, nous devrons tous ramer. Moi, je vous dis que non. Nous allons rejoindre le lointain Gotland et le fjord de Jörmungandr. Wolfred, rassemble 50 hommes. Quant à vous, vous garderez les alignements. Ça a commencé. Je peux sentir le mauvais sang. C'est ce qui arrive quand on dort à côté d'étrangers. Je peux sentir la puanteur d'un traître parmi nous. Les hommes sont tous remplis du vent. Eirik ! Eirik ! C'est Lando, yeux d'elfe. Gotland, on arrive.
loupe la terre! La tour. Elle est par là. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est une prison pour un sorcier de la Terre, sans aucun contact avec le sol. Vous êtes Alcuin ? Efflar des Geats était beaucoup de choses, mais en aucun cas vertueux. Bien au contraire, c'était un fourbe, et je vous remercie d'avoir mis fin à sa vie, baron de Jonsberg. Vous connaissez mon nom ? J'ai entrevu la possibilité de votre venue. Voudriez-vous me faire descendre ? Si vous me promettez de me conduire aux portes de Helheim. N'importe quel homme peut trouver ces portes. La plupart d'entre eux les trouvent. Seulement, j'envisage de revenir. Celui qui traverse ce pont ne revient jamais, baron de Jonsberg. Les morts me comptent parmi les leurs. Ah. Vous êtes donc l'amant mortel de Freya. J'ai entendu votre histoire, mais je refusais de la croire. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de vous, cher Eirik Bloodletter. Allez-vous m'aider ? Je vous montrerai le chemin. Celui qui le cherche sincèrement le trouvera aisément. Faites-moi descendre, je vous prie. Je vous en prie. Faites-moi descendre. Ils viennent du nord. Beaucoup de chevaux. Vous avez de puissants ennemis, baron Eirik. Venez avec moi. Le temps joue contre nous. Était détenu là, sire. Il était, comme vous l'avez dit, dans une cage en fer, sans toit. Bien. Nous allons voir s'il est bien comme vous le pensez. Qui est ce misérable ? Mon seigneur. Un navire ennemi.
tué nos hommes. Ils ont tué notre grand roi, Eflar. Ils ont emmené le druide. Qui a emmené le druide ? J'ai entendu le druide l'appeler par son nom. Eirik, comte de Jomsberg. Eflar l'avait appelé Bloodletter. Eirik Bloodletter, un grand nom. Vous le connaissez, sire ? Nous rentrons à Trondheim, c'est terminé. Monseigneur, nous devrions plutôt les poursuivre. Non. C'est lui qui viendra à moi. C'est encore loin. Non, on y sera bientôt. Une fois à Helheim, il y a beaucoup de choses à savoir et une chose qu'on ne peut éviter. Aux portes d'Helheim se trouve un chien massif, un chien du nom de Garm. Il n'a pas d'yeux, mais il peut sentir les vivants comme les morts. Vous ne pourrez pas lui échapper. Regardez, c'est ici. Comment je l'attends ? Vous devrez nager longtemps et rejoindre les profondeurs. Suivez le courant. Il deviendra de plus en plus froid jusqu'à ce que vous ayez atteint l'abysse. Alors, vous apercevrez les portes. Eirik, tu es sûr de vouloir y aller ? C'est de la folie. En effet, c'est de la folie. Le courage est fou, lui aussi. Il va te falloir du suif. Tu as peur ? Je suis terrifié. Tu devrais l'être. Je ne sais pas si tu es l'homme le plus courageux ou le plus idiot qui soit. Je ne suis pas de retour au lever du soleil. Rentrez. Fais en sorte de revenir. Eirik, seul ? Eirik, seul. Yang ne vient pas ? Yang ne vient pas. Que le vent t'accompagne, mon ami. Que le ciel soit avec moi. Nager longtemps et rejoindre les profondeurs. Suivez le courant. Il deviendra de plus en plus froid, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'abysse. Alors, vous apercevrez les portes.
tourment ici présent. Aucun ne m'a causé plus de douleur que de te voir dans ces lieux. J'ai toujours pensé que je vous trouverais aux côtés d'Odin. Je n'étais que l'illusion d'un roi. Un lâche de la pire espèce. J'avais trop peur de vivre. Les portes du ciel ne se sont jamais ouvertes sur moi. Et je suis resté ici. Et je resterai ici. Comment avez-vous su que j'allais venir ? On me l'a murmuré à l'oreille. Cet endroit est fait pour le tourment. Ici, on honore ses dettes. Eirik, tu n'es pas mon fils. Mensonge. Nous sommes morts. Les mensonges ne nous apportent rien. Je te jure que tu n'es pas mon fils. Ta mère ne l'a jamais su. Il est venu, il avait mon visage, mon allure. Il a trompé son jugement. Vous êtes mon père, que vous m'ayez conçu ou pas. Pourquoi es-tu ici ? Je cherche le corps de Helheim. Et ensuite ? Ensuite, je rentrerai. Non, mon enfant. Tu resteras ici parmi les morts pour toujours. Non, en tout cas pas sans me battre. C'est la différence entre les morts et les vivants. L'espoir. Allez-vous m'aider à le trouver ? Tu trouveras le corps dans les portes des âmes perdues. Nous faut-il aller à Helheim ? Il nous l'a dit lui-même, s'il ne revenait pas d'ici le lever oui, du soleil... je sais ce qu'il a dit. Mais le navire ne bougera pas d'un pouce, et toi non plus. Je dis qu'il nous faut partir. Qui est avec moi ? Il a passé toute la nuit dans l'eau. Il est sûrement mort au moment où je vous parle. Combien d'entre nous devront encore être tués ? Lâche. Où est ton honneur ? Tu es un tueur. De femmes et d'enfants. Que sais-tu de l'honneur ? Pendant toute ma vie, j'ai été fermier. Mais des pilleurs sont venus. Du même sang que tous ces lâches que nous avons tués hier. Ils ont brûlé ma ferme. La maison de mon père. Ils ont tué ma femme. Et mes enfants. Ils m'ont anéanti. Ils m'ont laissé sans rien. Je n'attendais qu'une seule chose, la mort que je méritais. J'ai donc tué ces pilleurs. Je les ai tous tués. J'ai tué leurs femmes. J'ai tué leurs enfants. J'ai volé leur maison. Et leur navire. Et j'ai écouté leurs cris alors qu'ils voyaient leurs semences rayées de la carte du royaume du milieu.
pris tout ce que j'avais. Mais ils n'ont pas eu mon honneur. Je préférerais mourir avec honneur que vivre comme un lâche. Voilà un homme qui parle en véritable viking. On va l'attendre. Fais attention à Garm, le chien d'Alheim. C'est le gardien des portes. Je l'ai vu tout à l'heure. Il m'a laissé passer. Ce n'est pas parce qu'il t'a laissé entrer qu'il te laissera repartir. Ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Soufflez dans le corps, au visage de Thor, vous devez l'en empêcher. Brina, réveille-toi. Il est là. Te voilà de retour. Est-ce que ça va aller ? Eirik, assieds-toi et bois ça. J'ai vu mon père. Non, tu ne l'as pas vu. Ce que tu as vu, c'était une espèce d'esprit fait à son image. Non, c'était lui. Il m'a dit que je ne suis pas son fils. Ça ne peut pas être vrai. J'ai grandi avec toi. Je connais ton visage et je connais le sien. C'est ton père, j'en suis sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tu as eu ce que tu étais venu chercher. Tu as réussi. Si seulement j'avais su ce qu'elle me donnait en m'offrant le cadeau de la vie. J'aurais vécu, Sven. Je te le jure, j'aurais vécu. Oui, mais ce n'est pas encore fini. Non. Laisse-moi te dire une chose. Une chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. Je n'ai jamais vu d'homme aussi courageux avoir si peur de ce qu'il est vraiment. Eirik, écoute-moi. Tu es un grand homme. Tu es né pour être un meneur, pour inspirer les hommes. Mais depuis que je te connais, tout ce que tu as toujours voulu, c'est montrer que tu es comme tout le monde. Mais ce n'est pas le cas.
Quel plaisir de vous voir, Monseigneur. Je ne pensais pas que vous reviendriez. J'ai même tout fait pour convaincre l'équipage de rentrer chez nous. Monseigneur. Warrick, tu sembles si effrayé. Bien souvent, les plus prudents sont les plus sages. Warrick le Sage. Voilà un joli nom pour un viking. Sois le bienvenu. Tu as choisi ? Choisis quoi ? Suis-je courageux ou idiot ? Disons les deux. Je devrais souffler dans ce corps au visage de Thor. Dites-moi comment faire. Il sera à Trondheim, à l'alignement de pierre. Pour l'éclipse totale ? Oui. Mais vous devrez affronter toutes les armées du Trondelag réunies. Nous avons une armée. Ça fait tellement longtemps. Tu crois que ton frère sera content de te voir ? Non. C'est à ce moment-là qu'Eirik Bloodletter devint Eirik le Faucheur de l'Enfer. Mais mon histoire est loin d'être terminée. Je devais désormais faire route vers l'endroit que je redoutais le plus. Ma maison. Avec le corps et la protection du Seigneur Frey et de Freya, je pensais que tout irait bien et que Jonsberg accepterait de se battre une nouvelle fois à mes côtés. Rien ne m'avait préparé à la plus grande trahison qui se préparait. Sven, va jeter l'ancre. Regardez, Jonsberg. J'ai un mauvais pressentiment. On ne devrait pas tous y aller. Si vous le désirez, je pourrais vous attendre sur le bateau. Vous resterez ici avec Yang. Ils pourraient vouloir en faire leur esclave. Il sera en sécurité avec moi. Je n'y vais pas. Très bien. Bryna, tu leur tiendras compagnie. Veille bien sur Alcuin. Pourquoi venez-vous ? Vous êtes devant la forteresse de Jomsberg. N'acceptons aucune visite. N'acceptez aucune visite ? Et si ces visiteurs jetaient votre corps inconscient à la mer ? Eirik ? C'est bien vous ? Oui. Bienvenue, Monseigneur. C'est bon de te voir, mon ami. Il ne se passe jamais une lune sans que nos épées ne souillent le sol du sang d'un pauvre malheureux. On ne se bat plus que pour l'or, désormais. Ce n'est plus comme au bon vieux temps. On ne se précipite plus dans des batailles terribles et sans espoir. On ne part plus pillé. Que dirait votre père de tout cela ? Le Jomsberg n'est plus qu'une bande de mercenaires obéissant aux plus offrants. Interdit de me remettre une nouvelle fois en question ici, Jorgan. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce point, reprenez votre part et fichez le camp. Monseigneur Beotric, grand capitaine de Jomsberg, je vous présente Eirik, fils d'Alfred. Que mon frère s'avance de quelques pas vers le trône. Beotric, mon frère. Eirik. Je n'aurais jamais cru te revoir à nouveau entre ces murs. Je ne pensais pas revenir un jour. Mais maintenant que c'est fait, j'en suis heureux. Pourtant, je dois avouer que votre hospitalité laisse quelque peu à désirer. Vous ne nous avez pas offert une seule goutte d'eau, et vous vous êtes gardé les meilleurs mets. Nous ne buvons de l'hydromel que pour célébrer des victoires ou pleurer des morts. Vous n'êtes ici pour aucune de ces raisons. Nous attendions votre venue. Vous espérez me reprendre le trône de notre père ? Non, mon frère. Mais alors, regarde autour de toi, mon frère.
Vois-tu seulement le peu qui reste de l'air de notre père? Non. Non, tu n'en vois rien. Je ne reçois que 20 000 malheureuses pièces d'or de la part de l'empereur byzantin pour un escadron de nos meilleurs guerriers. Le roi des Angles, de son côté, ne m'en paie que 30 000 en argent afin que je maintienne son trône en sécurité. Voyez-vous, de nous deux, je suis le frère le plus jeune et le moins important, mais pourtant, c'est moi qui suis assis sur ce trône. Grâce à moi, ce royaume est riche. Et aujourd'hui, tu réapparais. Tu te trompes, mon frère. Je ne suis pas revenu pour la couronne. Les dieux sont venus me demander d'entreprendre une bataille impossible. Contre qui? Le dieu Thor. Thor. Il est revenu d'entre les morts, alors il croit pouvoir s'en prendre au dieu de la foudre. Je suis venu te demander ton aide. Pas pour être moqué. Allons-nous-en. Non, mon frère. Je ne peux pas te laisser partir. Une oreille attentive pour tous ceux qui méprisent mon règne devient une figure de proue pour ceux qui veulent me renverser. Pardonne-moi, mon frère. Emmenez-les! Fouillez-les! Et apportez-moi tout ce que vous aurez trouvé! Oh, pardon. Vraiment, je suis désolé. Pourquoi ne donnez-vous pas ce qu'il veut à Lord Beotric? Nous ne serions pas obligés de faire ça. Vous êtes les amis de Monseigneur Eirik? En effet. Bien, écoutez-moi. Il a subi une trahison. Ses hommes et lui sont dans le donjon. Je peux vous conduire jusqu'au château. J'ai prêté serment, je ne peux pas lever mon épée contre mes frères. Mais vous, vous pouvez le sortir de là et lui faire rejoindre ce bateau. Eirik a besoin de nous. Eirik a besoin de Yang? Oui. Ces Jomsberg ne sont pas des bagarreurs, jeune fille, mais les plus grands guerriers que la Terre ait portés. Tant mieux, les arrogants tombent plus facilement. On ne pourra pas traverser la cour sans être vu. Je ne serais pas si pessimiste si j'étais vous, mon bon Yorick. Alcuin, dépêchez-vous. Partez. Je vous rejoindrai le moment venu. Les escaliers conduisent au donjon. Vous trouverez vos amis en bas. Plus de respect pour nous, prends pour un gueux. Tu as entendu ça? Chut.
Frine, ça va? Oui, Yang, je vais bien. Et toi? Je vais bien. Suis-moi. Les portes. Pas au diable, putain! Ouvre la porte! Ouvre les portes! Comme vous voudrez, madame! Tiens, voilà le petit homme. Alors, Yang est doué? Non, Yang, sacrément doué. Où est Eric? Cellule d'à côté. Le druide et le corps, où sont-ils? Arrêtez-les! Je resterai tranquille à votre place. Monseigneur. Voyez comme il a trahi son propre frère. Ne pourrait-il pas vous traiter de la même façon? Qu'a bien pu t'offrir Thor pour me trahir? Tu veux vraiment le savoir? Dirigez toutes les îles d'Angle, comme bon me semble. Vois-tu, mon frère? Tu n'es pas le seul à recevoir le conseil des dieux. Tu peux garder les îles d'Angle et ton trône, mais entends ceci. Quand j'en aurai terminé avec Thor, je reviendrai pour toi. Et nous pourrons enfin régler nos comptes. C'est toi et toi seul qui ne veux rien entendre, mon frère. C'est le corps et uniquement lui qui donne un véritable pouvoir. Sans lui, tu ne vaux rien. Roi de Jarlsberg! Arrêtez-le! Mais serait-ce par hasard ce que vous cherchez? Vieille charogne! Traître! Tiens, tiens. Voilà une chose très intéressante. Vois-tu, mon frère, le message était très simple. Votre frère vient vous voir, et il a avec lui le corps de Helheim. Récupérez-le et capturez-le. Et avec l'aide de ton ami ici présent, c'est chose faite. Le moment est maintenant venu que je règle mes comptes avec toi. Emmenez-le. Traitez-le comme il convient. Utilisez l'épée. Jetez les autres de la falaise. Druide, approchez et trinquons. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait un traître parmi nous. On aurait dû se méfier du sorcier. Il nous doit la vie, comment il a pu nous faire ça? Tout ça pour l'or de Beotric. On va tous mourir. J'ai pas raison? Monseigneur, nous sommes avec vous. On va vous conduire loin d'ici et vous offrir un abri. Nous allons réunir nos hommes et vous suivre jusqu'au tronc de l'Ague. Pour les autres capitaines? Pour eux, nous sommes des traîtres. Thank you.
Ça a l'air douloureux. Laisse-moi faire. Si cette quête continue encore plus longtemps, il ne restera pas grand-chose de toi. Nous avons perdu le corps. Les chances sont contre nous. On ne peut pas se battre sans lui. Ce corps est la seule chose qui puisse arrêter Thor. Je n'ai peut-être pas le droit de demander aux autres de continuer. Ni à toi. Je sais que tu ne veux pas me demander plus qu'aux autres. Mais si j'avais envie de te donner ce que seule une femme peut t'offrir. Brina. J'ai promis mon cœur à une autre, il y a plusieurs années. Je me demande comment j'ai pu aimer un tel idiot. Freya. Non. Ne bouge pas. Ne te retourne pas. Nous sommes désormais loin l'un de l'autre. Mais à travers elle, je peux parler. J'ai fait un marché avec les dieux. Pour que tu puisses vivre à nouveau. Mais ta vie m'a été accordée à une condition. Que toi et moi ne puissions plus jamais aimer. Mais au moins tu as vécu. J'aurais préféré mourir que de vivre ma vie sans toi. Tu dois pourtant vivre. Ramener à la vie pour que tu continues à avancer. On ne peut plus être ensemble. Aeric, arrête de ressasser le passé. Si un homme passe sa vie à regarder derrière lui, il passera à côté de ce qui est juste devant lui. Qui est-ce qui se tient là, devant moi? L'espoir. Une chance d'enfin être heureux. Le bonheur. Une chance d'avoir la seule chose que les mortels ont et que les dieux désirent tant. L'amour. Il n'y a pas de honte à aimer. Pour le peu de temps qu'il me reste, Thor aura... Alors bats-toi pour avoir droit à demain. Bats-toi. Pour que ton nom soit murmuré à travers les âges. Ton nom deviendra celui de la bonté, du courage et de la lumière. Je connais très bien ce regard. C'est fou ce qu'une bonne nuit de sommeil peut faire. Plutôt une bonne nuit sans sommeil. Voici votre armée, monseigneur.
Vous faites la fierté de vos soldats et de Jonsberg. Ce sera une grande bataille. On chantera les soldats qui allèrent un Trondheim et pulvérisèrent les armées du dieu. Messieurs, nous partirons bientôt, avant que Beotric n'ouvre les yeux. Pardonnez-nous, sire. Nous avons des traîtres parmi nous. Certains des nôtres se sont alliés à votre frère, sire. Le roi est mort. Le druide. Que compte-t-il faire avec seulement une centaine d'hommes? Ce sont les Jomsberg. Qui sait de quoi ils sont capables? Cela m'est bien égal. Demain, j'aurai le corps. Et aucune des armées de ce royaume ne pourra m'arrêter. Les portes du Valhalla, de Midgard et de Halheim seront grandes ouvertes. Monseigneur, quel est ce plan? De quoi parlez-vous? Je vais devoir ouvrir le chemin pour ouvrir les portes du ciel et de l'enfer. Notre monde sera complètement dévasté. Je me moque pas mal de votre monde. Des milliers de nos hommes vont mourir. Ces mêmes hommes qui ont conquis nos terres, construit nos navires. Vous ne pouvez ignorer le désastre que cela va causer. Imbécile, je sais très bien ce qui va se passer. Ce n'est que grâce au chaos que j'abattrai sur le monde que le dieu chrétien pourra enfin être anéanti pour toujours. Ça n'a rien à voir avec nos quêtes vikings, ni avec l'extension de notre royaume. On ne parle là que de vous et des dieux, au détriment des mortels. Je n'ai rien à faire des mortels. Je suis un dieu. Vous n'en avez peut-être rien à faire, mais je ne vous laisserai pas nous conduire vers notre propre destruction. Tu as oublié une chose. Il n'y a que ceux qui ont le sang des dieux, qui peuvent se servir des armes des dieux. Toi, Wolfred, tu as un problème de point de vue. Roi du Nord, préparez vos hommes. La bataille pour le royaume du milieu commencera au lever du soleil. Capitaine, je vous nomme roi du comté de Nordland, à la place de Wolfred. Nos hommes avanceront vers le mur d'enceinte. Nous lancerons notre attaque sur le flanc gauche quand il aura cédé. Et si on le passe? On avancera encore. Et si Thor se montre avant cela?
Je le ferai sortir et nous nous battrons jusqu'à la mort. Et alors, tous nos problèmes seront réglés. L'éclipse, elle commencera bientôt. Messieurs, on va camper ici pour la nuit. Jonsberg, Viking, mes frères. Derrière cette crête se trouve l'armée du Nord. Plus d'un millier d'hommes. Nous sommes peu, 1 contre 5. Si vous le désirez, j'irai rencontrer leur capitaine et leur demanderai un jour de plus afin qu'ils réunissent plus d'hommes. Ce serait plus juste. Certains d'entre vous me connaissent. Certains d'entre vous ont saigné à mes côtés. Certains d'entre vous ont entendu parler de batailles victorieuses, de dieux et de déesses. C'est bien moi, Eirik de Jomsberg, et ma chanson n'est pas encore achevée. On ne mesure pas la valeur d'un homme au nombre de ses victoires, des morts tombées sous son épée ou de l'or qu'il a dérobé. On mesure la grandeur d'un homme à son courage, à son dévouement envers sa famille, sa volonté d'accomplir son destin. Si nous ne nous battons pas aujourd'hui, nous devrons affronter une génération de terreur et les dieux continueront les horreurs des temps anciens. Aujourd'hui, vous ne vous battez pas pour vous-même. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos femmes, pour vos fils, pour vos filles. Si vous devez mourir aujourd'hui, mourrez en sachant que vous vous êtes tenu bouclier contre bouclier avec vos frères. Et mourrez comme un viking doit mourir, avec honneur. Venez. Suivez-moi! Ça, c'est un discours. N'ont aucune chance contre notre puissante armée. Prenez vos positions! Boucliers en place! Ligne. En avant!
approcher, sale bâtard! Approchez! Et on a perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu des morts des deux côtés, mais nous nous battrons jusqu'au bout. Un autre capitaine arrive! Monseigneur, votre frère est mort. Nous rallions à vous et à votre noble cause. Suivez-moi. Retournons au combat. Sire! Allez-y, parlez. Ils ont percé à gauche. Ils ont des renforts. À cheval! Qui va prévenir Thor? Qu'il aille au diable. Je rejoins mes navires, c'est terminé. Restez si vous voulez. Sauvez-vous si vous pouvez. Vous n'êtes pas des vikings. Allez au diable, vous aussi, roi du comté de Nordland. Retournez à la forteresse. Battez en retraite. Battez en retraite. Oh!
on va se battre s'ils meurent tous. Ça me convient très bien. Je ne suis pas venu jouer le spectateur. Je ne te laisserai pas faire. Alors, et maintenant, Eirik, tu ne peux pas m'arrêter. Ou alors serais-tu venu pour me voir ouvrir les portes de Alheim ? Je n'ai peut-être pas le corps, mais tu ne me vois pas fuir. Je suis venu t'affronter, Thor. Je mourrai s'il le faut. Ah oui. Le corps. En soufflant dans cet instrument, tu espérais me renvoyer dans le Valhalla. Je l'espérais. Tu ne peux rien contre moi, mon fils. Ton père n'a jamais su la vérité. Il avait repris son apparence pour coucher avec ta mère. Je n'avais pas besoin de ses artifices. Elle a consenti à tous mes désirs. Tu croyais sincèrement qu'un mortel pourrait revenir d'entre les morts, qu'il pourrait boire la coupe de Frey sans mourir, qu'il pourrait coucher avec la déesse de l'amour sans devenir complètement fou de désir. Le sang des dieux coule dans tes veines. Mon sang coule dans tes veines. Laisse-moi faire, et ensemble nous tiendrons le monde dans nos mains. Et nous pourrons effacer le dieu unique et son fils de la surface de la Terre. Je ne te laisserai pas détruire le royaume du milieu. Alors bats-toi. Eirik!
Ton arme ne me fait pas peur. J'ai le sang des dieux en moi. J'ai le sang des dieux. Puis-je avoir le corps de Helheim ? Lord Frey. Pauvre baron de Jomsberg. Vous pouvez souffler jusqu'à ce que la mer se transforme en glace. Pourtant, Thor ne sera jamais anéanti. Non, ce corps a été conçu pour une autre et plus grande mission. Mais vous aviez dit... Oui. Je vous ai dit que seul un mort-vivant peut entrer en enfer. Nous sommes des dieux. Thor et moi avions donc besoin de vous pour récupérer ce corps. Voyez-vous, il faut 3 reliques pour ouvrir les portes du ciel, de la terre et de l'enfer. Le collier de Marie-Madeleine, de Midgard. Le marteau de Thor, du Valhalla. Et le corps doré de Helheim. Pauvre idiot. Ce corps est la clé ultime. Et vous nous l'avez apporté. Pourquoi faites-vous cela ? Les hommes ne sont que des ingrats. Nous vous protégeons depuis des siècles, et vous nous abandonnez pour une espèce de nouveau dieu. Le temps est maintenant venu d'en payer le prix. Mon fils. Ensemble, nous aurions pu diriger le monde. Je connaissais vos plans, Frey. J'ai su que vous alliez nous trahir. La nature sera toujours là pour nous conter les histoires de trahison. Personne, dieu ou mortel, ne devrait gouverner notre terre.
une bonne mort. J'aurais dû prendre ta place. Personne ne choisit son destin. Tu n'es pas responsable de ma vie, Eirik. Ni de celle de personne. Rien que de la tienne. Je... pars en paix. J'ai droit à une mort glorieuse. Rends-moi à la mer. Adieu, Brina la Juste. Vois ta mère qui t'attend au paradis. Adieu, Grégor le Formidable. Puisses-tu retrouver nos parents. Adieu, Warwick le Sage. Vois la tranquillité qui t'attend au paradis. Adieu, Bernard le Viking. Son paradis est son honneur et sa famille. Et je vois là mes amis entourés de ceux qui sont partis avant eux. Quand mon heure viendra, je serai heureux de les retrouver. Ce jour marqua la fin de l'omniprésence des dieux dans le royaume du milieu. Les hommes seraient désormais libres de choisir leurs dieux, leurs amis, leurs ennemis. Je devins aux yeux de tous le fils de Thor. Mes hommes et moi devinrent les gardiens des saintes reliques. Peu d'hommes eurent vent de notre existence. Et notre chanson n'est pas encore terminée.